il est la force qui apaise. Il soulage ceux qui sont épuisés et porte de l'eau faveur. Il fait de nous une communauté bienfaisante et nous pouvons vivre dans la confiance mutuelle. Que Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils du Père nous accordent la grâce, le pardon et la paix pour que nous en vivions dans la vérité et l'amour. Amen. Amen. Il n'y a rien d'autre à venir.
Tu nous as assuré de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as fait entendre les nouvelles du monde entier. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères. Mais nous lui sommes restés insensibles. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien. Mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Nadia, je ne viens pas passer. Oh.
Contre la loi serait contre nature. Et ceci
ne peut venir de Dieu, non. Et ne serait pas de la volonté de Dieu, non. Puis vous voyez, c'est là que nous voyons. On a mettre au mambo pour faire un mambo de l'homme. Mais attention, en matière d'action, à première vue contre nature, qui peut sauver la vie, nous avons développé plusieurs actes, plusieurs actions. Qui serait contre nature, mais qui peut sauver la vie. Ici, je vous le rends compte qu'on ne met pas la vie hein, au premier niveau, c'est-à-dire qu'on ne met pas la vie en avant, on met la loi avant la vie. Je peux prendre quelques gens rapides. La vaccination, le vaccin. Il y a certains médecins qui ne mettent pas le vaccin. Effectivement, certains ont fait des vaccins et puis c'est leur nom qu'ils ont posé. Mais comment peut-on se dire que le vaccin en fait, c'est les gens qui donnent la maladie contre nous plus. C'est comme un acte contre la nature. C'est comme si on voulait te guérir par le mal, La chimiothérapie. La chimiothérapie. On peut penser au buté, c'est du poison. On te joue du poison pour que tu guérisses. Ça, c'est comme la nature. Donc, une autre intelligence. Du poison pour te guérir. Ça réussit pour certains. Ça ne réussit pas pour d'autres. Ce n'est pas que ça ne réussit pas pour d'autres. Mais ça n'a pas. Que ce n'est pas sensible. Ça passe. Ça ne peut pas se faire. Ça sauve. Même aujourd'hui, il y a des tendances qui la Bible de la mer reste. On a donné l'indicatif de l'homme, ou alors il y a le tonton l'homme, Dieu nous dit. Quand nous prenons par exemple la question de l'homosexualité aujourd'hui, il y a la mer. Mais il faut que ce soit dans le contexte de la Bible aussi. Comment ça se fait? Et pourquoi ça se fait? Dans quelles conditions ça se fait? Est-ce que c'est des actes volontaires ou on est avec? Ou bien, en fait, généralement, c'est des gens qui imposent. Là, allez, je dois de faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai tout fait dans la vie, mais je ne reste plus que ça. Mais aujourd'hui, psychologiquement, c'est vraiment qu'on met l'être humain au centre. Et quand on pose l'être humain au centre, quand on met en ce moment, on se dit, après, il y a toute une histoire de vie derrière, il y a beaucoup de souffrance derrière, c'est l'homme qu'on est là, et c'est pas l'acte qu'on considère en premier. C'est l'être humain qui est victime, quelque part, dans ces conditions qu'on pose là. Et à ce niveau, quand on le réconcilie en famille, il faut sauver en le posant de façon humaine, et en humain, il faut revoir notre position et notre jugement par rapport à certaines pratiques de la vie. Il faut poser la dimension humaine. Alors, je me mets là. Pour discerner la volonté de Dieu et vivre cette volonté de Dieu, il convient de prendre un peu de recul par rapport à la lettre, par rapport à la loi. Et l'être humain et son bien-être au cœur de notre projet spirituel. Il faut poser l'homme au cœur du projet en prenant du recul par rapport à la loi et au texte. Il faut avoir du discernement pour lire et actualiser les textes bibliques aujourd'hui. Moi, c'est l'esprit sur lequel nous avons du discernement. C'est un esprit que nous avons du discernement. C'est l'esprit qui peut nous révéler. Il faut également avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour laisser l'esprit du Christ nous ouvrir les yeux du cœur. Pour ne pas confondre la foi et la tradition. Il y a nous sommes souvent un enseignement dans notre ville du Togo, qui en avait, qui avait pour titre foi et tradition, pour s'appeler connu. Il arrive par moment que la tradition prenne le pas sur la foi. Parce que nous sommes dans la tradition, nous le faisons comme ça, alors. Et quand on pose la Bible, à un certain moment, on se dit, mais c'est les hommes qui ont posé ça. Ce n'est pas la Bible qui l'a imposé en fait.
jardin de Jéricho et qui se fait agresser dans les montagnes. Il y a un sacrificateur, Mamou Nola, le sacrificateur passé. Puisque le sacrificateur, quand il va à son boulot, il ne doit pas toucher le sang, il ne doit pas toucher le mort. Amen. Et donc, il a le retour, il a le sous-moment et il a soleil. En ce moment, comme nous. Après, il y a le vite. Tant Samuel qu'Isaïe, le papa, les huit garçons,
son huit garçons, pensait que c'était sûrement l'aîné, qui était grand, beau et tout, qui porterait, c'est sur lui que porterait le choix de Dieu pour devenir roi d'Israël à la place de Saül. Le dernier ne comptait pas du tout. Puisqu'il a été ignoré, on l'avait même pas invité. Des victoires, on va se souvenir maintenant. Oh, mais on va se souvenir maintenant. On va se souvenir des victoires, dis-moi. Mais après, on a un peu pour le titre, on va avoir un grève. On va pas quoi, on va le oh, on a un grève à travers le grave. Mais comment est-ce que ça va? Elle dit, on va se souvenir. Il ne comptait pas ce garçon. Puisqu'on n'a pas fait venir. Cependant, c'est celui-là. Qui a été choisi? Qui l'a été choisi? C'est pas là qu'on le choisit. Qui a été choisi? Et où tient? Où tient d'ailleurs? Il fallait Samuel d'être à l'écoute de Dieu pour discerner la vie. Bon, pour comprendre, on a ça, on connaît Samuel. Peace.
les médias, le grand nom, on l'appelle comme ça, et sur les médias qui disaient ces jours-là, mais ils se croient, ils vont le voir déjà son petit nuage. Parole de celui qui se croyait déjà à l'Élysée. Je me rappelle le soir des primaires, de la primaire, le grand nom disait à la télé, oh, lui, il est déjà sur son petit nuage. C'était trop petit. Il voulait le juste laisser tomber. J'étais trop petit, c'est pas un nuage. Les mots, j'avais pas perçu en ce moment, j'avais pas mal percuté, mais il était sur son petit nuage. Les mots venaient d'ailleurs. Oui, il se trouvait sur son petit nuage, et le lendemain, c'est un vrai cauchemar. Et qu'est-ce qui nous pousse à s'approcher? Probablement, celui qui voulait lui donner, lui aussi, une leçon d'humilité. Il n'est pas aussi dans la vie que ça. Il s'approche pour avoir à son tour sa leçon d'humilité. Il lui dit, tenez, le plus haut, il connaît le nom. Le Seigneur aime les saints. Dans la foulée, nous portons notre regard. C'est le mot de la marche parce que c'est lui qui a l'expérience, qui sait tout, qui peut faire tout. Nous portons notre regard sur le plus petit aussi du groupe. Vous connaissez David et tout ça, le plus petit. Moi je ne suis nulle part, moi je fais que la lecture, mais je ne suis pas le plus grand. Et on regarde, portons notre regard sur le plus petit de ce mouvement-là, le plus jeune, le plus petit. Le plus petit est des compétiteurs. Lui aussi, il y a quelques années, quand il était nommé à un poste au gouvernement, comme l'un des plus jeunes. Vous rappelez de ce moment les journaux de caricaturaient. Les journaux le caricaturaient avec un corps de bébé, une tête d'adulte et un biberon à la bouche. Voilà le président qui fait venir un bébé aux finances et en lui donne le biberon. C'est comme ça qu'on le caricature. Alors, j'ai retrouvé ces journaux-là. Oh, le président est petit, il a le droit de bébé, une tête d'adulte, et puis il prenait son micro. Quelle place notre regard, à première vue, à ce plus jeune. Alors, il y a des gens qui se reconnaissent avant beaucoup d'expérience. Mon frère, ma soeur, le manque d'humilité peut te faire tomber de grâce. Car Dieu n'aime pas ceux qui ont le cœur hautain. La volonté de Dieu discerne les gars. Car notre savoir, notre intelligence, notre culture, sans l'éclairage de l'esprit, n'est rien du tout. Et l'oreille de l'homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit, celui qui est humble d'esprit, obtient la gloire. Mes chers amis, je connais un homme. Regardez, je connais un homme que l'histoire de l'humanité a retenu par son caractère atypique. Le plus grand homme de l'histoire. Cet homme, pourtant, il guérit.
passer par le frère. Il n'a jamais gagné aucune bataille. Et pourtant, il a conquis le monde entier. Il n'a commis aucun crime. Pourtant, il a crucifié. Il a été enterré au tombeau, pourtant, il vit une joue. Je me sens honoré de servir un tel chef qui, en plus, m'aime. Vous connaissez cet homme de l'histoire? Jésus lui-même s'est révélé par son humilité. C'est l'humilité incarnée même. Et depuis bon moment, j'en amène les outils dans le pays. Jésus lui-même s'est révélé comme cette humilité incarnée. Il reste notre modèle et sa volonté pour nous est de nous dépouiller de tout ce qui est orgueil pour revêtir l'humilité qui nous est venue de l'esprit. Comme la veuve de naissance guérie par Jésus le dit en toute humilité au chef religieux qui le regardait avec dédain. Il leur dit, toi, la Torah, et au contour, voulez-vous vous aussi devenir ses disciples? Mon frère, ma soeur, prenons-nous en toute humilité devant le Seigneur pour qu'il nous ouvre nos oreilles et nos yeux de l'esprit. Afin que nous discernions sa volonté de nous guérir. Il n'occupe pas comme un premier droit de nous. Avec des liens de mon mot, j'ai demandé le nom. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Après combien de coups, ma barine, il est bien tombé, il est net, nous sur 4 ans, il est bien. Il est bien, il est bien, il est bien.
quand tu nous connais bien, dit, elle peut le rendre. Là, quand on est un peu dur maintenant, il peut le rendre. Je ne vais pas vous dire.